Salut tout le monde, c'est Flo et bienvenue pour ce deuxième tuto sur Photoshop. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un PNG. Donc un PNG, c'est quoi? Ah, bonne question. Un PNG, c'est une image qui est détourée, donc qui est découpée. Qui est découpée et collée sur un fond transparent comme celui-ci. Donc qui est découpé. Voilà, je vais vous montrer comment on peut le déplacer. Voilà. Donc voilà, c'est une petite image comme ça qui est collée. Enfin qui n'est pas collée, qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre sur une autre image par exemple ici. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait les montages justement. Donc on va essayer de passer ça. Ah voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait les montages. Plus tard je vous expliquerai un peu comment fonctionnent les calques. C'est très simple, c'est comme si vous empiliez deux feuilles de papier les unes derrière les autres. C'est exactement le même principe. Donc là vous avez l'impression que le téléphone est derrière l'autre téléphone. Donc ça, on apprendra ça plus tard. On va uniquement apprendre à détourer ce téléphone. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et je vous le détourer à la plume. Donc c'est parti, on va prendre notre plume qui est ici. Voilà. Et ensuite, on vient zoomer sur notre premier point d'ancrage qui est ici. On mettra ici. Voilà. Pour l'instant le PC est en train de ramer, donc c'est un peu lent. Ça ne veut pas. Voilà. On met notre deuxième point pour voilà justement faire en sorte que la ligne que vous voyez là, donc la courbe, se colle parfaitement à la courbe qui est en dessous. Mais là ça ne colle pas bien, donc je clique sur Alt Z et je refais ma courbe mieux. Voilà, une fois que c'est fait, je vais rejoindre ce point-là, tout là-haut ici. Voilà, donc mon point est relié à ici. Voilà, donc je viens refaire ma courbe, je clique ici, je viens étirer jusque là plus ou moins pour que ma courbe fasse le tour ici. Hop. Voilà, donc ça c'est fait, vous cliquez sur Alt, vous appuyez sur Alt. Et vous cliquez ici au milieu pour découper le fil et continuer à détourer tranquillement. Et vous continuez la même opération jusqu'à arriver au point où vous avez commencé. Donc c'est-à-dire ici.
Et qui fait carrément tout le tour. Pour bien faire. Hop. Vous avez ici. Vous éclairez. Pour faire en sorte que la coupe soit parfaitement bien. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est très simple après l'avoir utilisé après quelques jours. Donc tu vois, voilà, donc vous faites notre courbe. Vous faites la même chose. Donc c'est un outil très précis. Donc là, heureusement ici ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Sinon, il y en a, c'est... Voilà, j'ai déjà détouré quand même des monuments avec beaucoup de détails. Donc ça prend un temps énorme. Mais ça demande beaucoup de patience et de précision déjà. Donc c'est sympa à faire, c'est chouette. J'aime bien. Donc là vous cliquez à l'endroit. De toute façon ici c'est droit, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de détail. Bon, par ici c'est un peu coupé, mais c'est pas trop grave. La base, c'est tout ça. Donc voilà, vous revenez à votre courbe. Tac. Dès que c'est fait, vous avez terminé votre point. Ici. Donc là, il y a le rond. Et votre détourage est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite vous cliquez, vous faites un clic droit, vous mettez définir une sélection. Donc là vous ne voyez rien parce que voilà, c'est de la capture de Photoshop. Je sais pas pourquoi il met pas le menu, mais bon, c'est pas grave. J'explique. Donc définir une sélection. Vous mettez OK. Et votre téléphone est détouré. Ensuite, vous allez dans Calque. Là, vous ne voyez rien non plus. Et vous allez sur un espèce de carré avec un rond dedans. Qui est tout en bas. Et c'est ajouter un masque. Vous mettez un masque. Et non pas le masque pour le corona. Alors, voilà. Et donc, ça donne ceci. Comme je vous ai montré ici. Voilà. Votre téléphone est détourné. Et vous pouvez le déplacer un peu partout. Voilà, voilà. Donc, vous avez détouré proprement et précisément. Donc je vais entrer en zoom ici. Vous voyez vraiment les détails qui ont été faits. Et après, ben, libre à vous d'imaginer et de créer à votre sauce. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a été utile. Donc n'hésitez pas à liker et partager et abonnez-vous surtout, très important. Allez, merci à tous, salut.